pêche. Ouais. Beau poisson. Oh, là, oh putain, il a chié sur ton truc. Ici, il plaisante pas. Pêche. Je sais pas ce que c'est par contre, c'est lourd. Hein. Là, c'est moi qui saigne par contre. Ouais. Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci caille vraiment, on est en plein mois de décembre, fin décembre plus précisément. Et là on est avec Eddy sur son beau bateau, beau Kimple, le beau Quimplé comme on dit. Regardez sa petite casquette oui. LF, elle est pas belle? Allez n'oubliez pas, il y a toujours le code promo, moins 7% avec le code promo AMINIAC7 sur Lucky Fisher. Le lien dans la description. Et puis c'est le site de Walid, donc si on peut l'aider un petit peu, c'est tant mieux. Hein. Allez, l'objectif aujourd'hui, c'est de commencer à pêcher le cendre le matin, tant que le vent se lève pas. Et une fois que le vent sera levé, on pourra plus pêcher en vertical, ce sera trop difficile. Du coup, on se rabattra sur les herbiers, essayer de pêcher du brochet et de la perche. Et bien, Eddy, merci encore une fois de m'inviter sur ton bateau. La dernière fois, c'était plutôt fructueux, on avait fait beaucoup de brochets. Ouais. Aujourd'hui, on va essayer de faire la même chose, en espérant. Allez, let's go! Il y a du poisson au fond là. Ouais. Là t'es tombé dessus. Là. Ouais. On est dessus là. Ouais, là il y a du fish. Ouais, je suis en naturel, moi je suis brown, coloris un peu foncé. Il y a encore du fish là. Hein. Ils sont vraiment collés au fond quoi. Hein. Là c'est mort. Ah, il y a de la ablette là. Ouais, il y a des ablettes. Là il y a un poisson au fond. En attendant, il n'y a rien du tout. Parfois tu les vois, hein, ils sont juste. Vraiment pas collé collé mais ils sont juste tu sais genre à là dès que tu vas te rapprocher de boules de fish. Ouais. Beau poisson. Bien. T'as l'épuisé quoi? Ça c'est un centre, sûr, c'est un beau centre. Bien sûr. C'est un bien comme je veux pas. Exactement. T'es prêt? Il est là. Il ira bien. Joli, joli, très joli. Hop là. C'est bon, tu l'as. Tiens, c'est joli. Yes. C'est top. Ouais, ça fait 60, 70 peut-être, 60, 60. Non, un peu moins de 60. 65 peut-être. Ouais, c'est coffré. Regardez les gens. C'est coffré dans la gueule. Ah bah c'est bon, regarde. Il avait juste pincé avec sa gueule. Tu vois, regarde, il a plein de petites bêtes là-dessus. Vous voyez les gens là? Il y a plein de petites bêtes là, comme des poux, comme il dit Eddy. Ça, ça veut dire qu'il est pas très loin du fond. Hein. Je pense qu'il est calé sur le fond. Oh, là, oh putain, il a chié sur ton truc. Oh là là. Oh merde. T'es bon pour nettoyer le bateau. Allez. Allez, parfait. Waouh. Chartreux, brown chartreux. À chaque fois, ce coloris là, je fais carton avec. Mm. C'était peut-être le gros écho qu'on avait vu. Fiche. Poisson. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je gère. Descendu, mec. Je suis descendu. Un brochet. Ah, yes. À la descente, en fait, il m'a pris. Bon, pendant qu'Eddy est en train de réparer le bateau, moi, je me suis dit, ben, je vais pêcher. Et boum, je fais un petit poisson. Petit brochet, toujours avec le Escape 88. C'est un petit poisson. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait?
Tu peux me rendre mon leurre, merci. Voilà, petit poisson qui retourne à l'eau. Waouh. Ben, il m'a défoncé le leurre, voilà ce que je voulais pas. Je reste derrière. Hein. Allez, changement, on passe au brochaï. Bon, bah poisson déjà. Ça a été vite, hein. On a changé de technique. Bon, c'est une ragnolette, hein. Mais c'est un poisson quand même. Bien joué. Tu veux l'épuisette, non? C'est bon? Ça va aller, là. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un poisson quand même. Nice. Pour remonter le moral, ça va le faire un peu. Exactement. Ouais, on vous explique, en fait, il y a un problème de batterie. Du coup, on est obligé de remonter à l'électrique. Et pour se remonter le moral, ben on est parti pêcher le brochet. Parce que voilà, c'est plus sympa. Et du coup là Eddy vient de faire petit poisson. Comme moi j'ai fait d'ailleurs, hein, la même taille quasiment. C'est le même toi? Ouais, quasiment la même taille. Au chat à palette. C'est coffré, hein. Allez. Va-t'en vite, petit chenapan. Reviens dans 10 kilos. Allez, repoisson. Il est un peu plus gros celui-là, vite fait. C'est Cofrax. Cofrax Labrax. Regardez ça. Il est où le leurre? Il est où le moignon? Petit canasson. Bon bah c'est bien. Il a avalé quoi. Oh la vache. Ah ouais. Il est violent en plus, hein. Ici il plaisante pas, hein. Il est en espérant que ça grossisse. Allez. Ça doit faire 70, ça. Hop là. Hop là, il veut pas. Il veut partir. Ouais, un petit 60. C'est maillé quoi. C'est un poisson maillé. Bye bye, petit poisson. Je suis pas au fond, je suis légèrement décollé, ouais. Fish. C'est un beau poisson. Ouais. Je t'avais dit que j'avais vu des échos. Je sais pas ce que c'est par contre, c'est lourd. Hein. Ça doit être un brochet peut-être. Non, non, non. Brochet. Il est où le moignon? Il est où le moignon? Oh la vache. Le leurre il est in the pocket. Tu sais ce que j'ai fait? Tu m'as dit je suis pas assez au fond. Je laisse au fond. Sting. Ok. Bon, un autre brochet. Je vais te prendre une chauffette. Chaufferette. Une gaufrette. Heureusement que j'avais mis un avançon, hein. Ouais. Parce que là c'était coupé, hein. Ah ouais, c'est... Oh ouais. Ah ouais, mais il est rangé le leurre, quoi. Là il y allait pour manger, hein. Il a l'œil vicieux celui-là. Qu'est-ce qu'il... Ouais, lui, il est vicieux celui-là. Et c'est pour ça que j'avais peur un peu. J'ai vu qu'il était vicieux, hein. Bon, une nouvelle fois, le SK est pas frappé. Ça fait plaisir. Oh, il m'a coupé, con. Ah oui, il est coupé. C'est sérieux? Là c'est moi qui saigne par contre. Ouais. Ça devrait le faire. Ah bah laisse tomber, j'ai plus qu'à changer le bas de ligne. C'est bon. Tu fais niaquer déjà. Ah ouais, bah ouais. À 3 jours près, on coupe le pouce. Ah ouais. Non. Oui. Allez. Ça va, jeune Padawan. C'est bien. C'est bon ça. Mais cette couleur là, alors je sais pas si c'est la couleur aujourd'hui, mais ça m'a toujours réussi. Hein. Naturel, coloris brown comme ça là. Je fais pas d'anime, hein. Je raille et je bloque, et c'est tout. Je fais rien. Il était calé dans 10 mètres le poisson, quoi. Truc de ouf, hein. Ouais, c'est ça, il y en a un milieu. Fiche. Oh. Ouais. Oh. Bien, bien. Cette tape en verticale, mon gars. Ça y est, hein. La porte nous a quitté, hein. Belle tape. Ouais, belle tape. Énervé. Broché encore, je pense. Ouais. C'est quoi, ces zizi, là? Ouais, mais c'est des zizi, gros. Je t'avais dit que j'avais vu des échos, hein. Je te l'avais dit. Oh putain, il est pas content. Hein, je sais pas si c'est la couleur ou bien... Je sais pas. Viens là, petit bonhomme. Voilà, un autre brochet. Pas gros, mais bon. C'est un poisson quand même. Bon, mais c'est bien. Allez, ça y est, c'est terminé. Eddy, merci beaucoup encore une fois. Rien. On se refera ça, hein. Ah oui, on va refaire ça. Carrément, ça fait plaisir. Mais bilan, 5 brochets, 1 cendre. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire. Ah
Petit problème de moteur, voilà, on a réussi à le régler quand même. Mais c'est une session qui était cool. Pêcher en vertical comme ça, c'est toujours sympathique avec des touches vraiment violentes. Toi, tu as pris avec Shada Palette. Shada Palette, ouais, deux brochets à Shada Palette. Voilà, et moi, le Escape 4.8, toujours vertical. Voilà, on se refait ça quand tu veux. Et pas de soucis. Merci beaucoup les gens, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve très bientôt. Peace, bye bye.